Samedi 30 octobre 2021, un blogueur a assuré que Maeva Ghennam s'était fiancée avec un certain Bolly. Alors que cette rumeur a pris énormément d'ampleur, la star des Marseillais s'est exprimée en story. Une rumeur qui a énormément fait réagir les internautes. Après avoir été en couple avec Greg Yega, Maeva Ghennam s'est montrée proche d'un certain Bolly. Alors qu'un blogueur a révélé que la star des Marseillais était fiancée après qu'elle ait publié une photo d'une magnifique bague, c'est en story qu'elle a souhaité réagir. Mes amours, depuis hier, je vois sur les réseaux sociaux que vous pensez que je me suis fiancée, que j'ai quelqu'un alors que c'est complètement faux. J'ai juste porté une bague, point, et directement il y a eu plein de rumeurs. Enfin bref, non mes amours, je ne me suis pas fiancée, je suis célibataire, a-t-elle confié à 3 millions d'abonnés. Début octobre, l'influenceuse avait déjà révélé qu'elle n'était pas en couple. Alors que la jolie brune voit toujours les choses en grand, elle a rappelé, « Le jour où je me fiance, je vais pas l'annoncer comme ça. » Je vais un truc grandiose, vous me connaissez quand même. Je vais pas me fiancer et seulement snapper ma bague. Vraiment, je ne vais pas l'annoncer comme ça, je vais préparer quelque chose pour l'annoncer. Ce sera l'un des événements les plus importants de ma vie. Après ces différents bad buzz, Maeva Ghennam souhaite avant tout se reprendre en main. Ainsi, après la fermeture de son compte Instagram par les administrateurs du réseau social, la star a assuré qu'elle allait retourner voir un psychologue afin de revenir plus forte pour s'abonner. Maeva Ghennam a-t-elle flirté avec Boba? Quelques jours plus tôt, c'est après que la jolie brune se soit rendue au concert de Boba que la rumeur souhaitait qu'ils aient passé la nuit ensemble. Sur les réseaux sociaux, le rappeur avait confié, « C'est une très gentille fille. » On a parlé de sa schneck de 12 ans. Je lui ai dit ce que je pensais et elle a très bien compris. Elle était avec son manager, Akramovic, très gentil aussi. Voilà, Maeva, dédicace à toi. Elle a un très bon cœur et elle est très gentille. Elle a pu être maladroite, mais force à elle. Donc, voilà, je n'ai pas passé la nuit avec elle.